Qui est coupable? La justice française a condamné l'État. Et lui a laissé un délai pour réparer les dégâts de son inaction climatique. Bah, aujourd'hui, le but, c'était tout simplement de dénoncer un État qui est désormais officiellement criminel, puisqu'il a été condamné dans l'affaire du siècle l'année dernière. Il faut réagir, et c'est pour ça qu'on invite les citoyens qui partagent nos valeurs et qui ont le souci de protéger leurs proches, leurs familles, leurs amis, de rejoindre la résistance civile et de venir avec nous pour faire des actions perturbatrices qui forceront le gouvernement à agir à la hauteur de l'urgence.